Et franchement, le ouh là, j'adore. Ça avec les chaussures Amina Mouadi, mais ma cheville me... Il vient, on va descendre, je suis trop excitée. Hello les filles, oh là là, c'était pas prévu, donc là je suis à Ikea en dimanche, je suis avec mon chéri, il est pas avec moi là, mais il est en bas, donc je voulais prendre ces gamelles là, et je voulais prendre des carafes en fait, parce que j'ai, elles se sont cassées, par contre je suis montée, j'ai pas pris de casier, attendez, je vais prendre un panier, je pense que le dimanche c'est le pire jour pour venir à Ikea. Parce que tout le monde, toutes les familles sont là. En plus, ça, c'est les vacances. Donc, du coup, voilà. Donc, je vais aller faire vite fait. Après, je dois aller au supermarché. Enfin, au poisson, chez le poissonnier. J'ai envie de faire du jollof. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais filmer. Mais j'ai envie de manger ça avec du poisson. Donc, on va prendre du poisson après. Et. Enfin, je vais prendre les. Ah, elles sont là, les carafes. Oh, elles sont passées à 4,50 maintenant. Waouh! Tout change, hein, les prix de tout change. Voilà, j'en prends deux. Comme ça. Les tupperwares plutôt. Ah, il y a plusieurs formes. Mais là en haut, il n'y a que. Comme ça. Je vais prendre ça. C'est avec ça qui rentre dans mon frigo et rond. Je vais descendre pour prendre parce que. Ici, il n'y en a que en. Il n'y a que des petites, quoi. J'ai vu des orchidées en haut là. Je vais prendre ça pour ma douche. Par contre, il faudra que je trouve un vase. Oui, mon oncle s'est cassé. Donc. J'ai pas pris grand chose. Hein. Se sont ouvertes et tout, mais il faut que j'enlève ça là parce que ça va tacher partout. Il est énorme le bouquet, je trouve, pour le prix que j'ai eu. Donc voilà. Donc les filles, je suis rentrée. Donc là, je suis sur le point, je suis sur le point de préparer. Donc je vais faire du riz gras, du jollof rice, mais à la façon Nadia, nigériane. Normalement, c'est pas le riz qu'ils utilisent, mais moi, je préfère ce riz là. J'ai pris de la banane plantain aussi. J'ai pris du jansan. Parce que je vais faire du poisson. J'ai mon poisson qui est là. J'ai pris du bar. J'ai pris trois larges bars. Ils ont pas ça. Large bar, mais je trouve qu'ils sont très petits. Donc j'ai pris des oignons rouges, du poivron rouge, du basilic pour mon assaisonnement de poisson, du thym, du poireau aussi. Et j'ai pris du gingembre. Par contre, j'ai oublié de prendre du piment. Voilà. Ok, donc là, ce que je vais faire, je vais couper tous les condiments. Et je vais vous montrer étape par étape comment je fais le riz et comment je fais le poisson. J'espère que je vais tenir jusqu'à la fin. Voilà, parce que là, c'est pas du gâteau. C'est le cabas de ma maman, donc j'ai mis ça pour être à l'aise pour préparer. Donc voilà, donc là, je vais essayer de préparer beaucoup pour pas avoir pas rentrer en cuisine demain ou après-demain. Voilà, je voulais faire aussi des haricots rouges. Donc moi, ce qui me motive pour faire à manger, c'est mettre la musique. Voilà, je mets la musique, je mets du Fali ou bien je mets un truc qui bouge un peu comme ça me met bien. Donc là, je suis en train de vouloir éditer la vidéo de ce soir. Voilà, donc là, moi, je vais mettre du Fali. Il vient, on va descendre, je suis trop excitée. Je suis jamais allée le voir, je l'aime trop, je le kiffe, je kiffe trop sur cet artiste-là. Ça n'existe pas.
donc là, j'ai ajouté tout ce que j'ai écrasé, donc la tomate, l'oignon, l'ail et le poivron. Donc j'ai rajouté ça dans l'huile et je vais laisser ça bouillir, enfin cuire pendant au moins 10 minutes avant de rajouter le kumaji mélangé. Hello les filles, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc là, c'est la continuité du vlog. La dernière fois, je vous ai laissé, je vous ai dit que j'allais filmer comment je vais préparer mon poisson, mon riz au gras. C'était un total fail. Donc j'ai pas pu vraiment vous filmer ça. Donc là, je suis en train de... Enfin, je me suis apprêtée. Je vais filmer. Ouh là là, mon temps est nickel. En caméra naturelle, c'est top, mais sur le iPhone, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, donc j'ai utilisé le fond de teint NARS aujourd'hui, le... j'ai oublié comment il s'appelle le fond de teint NARS, mais je mettrai le lien tout juste en bas. J'ai fait un truc naturel, j'ai pas mis de faux cils, j'ai juste mis du mascara, le mascara Hourglass. J'ai mis ici, là, j'ai testé, en fait, j'ai reçu des produits, je vais vous montrer. Ok, donc j'ai reçu des produits, donc les produits que j'ai reçus, c'est les produits de chez Merit. Donc en fait, j'ai moi-même choisi, je voulais un pinceau. Un nouveau pinceau, donc j'ai dit bon, je vais tester leur pinceau. Donc en fait, la particularité de leur brand, en fait, c'est des produits minimalistes. Donc voilà, donc j'ai pris un pinceau comme ça. Je pense qu'on peut utiliser pour le bronzer, contouring. Mais le glow là, waouh, j'ai mis ça, j'ai juste mis ça en fait. Le produit, en fait, c'est quoi? C'est une baume illuminatrice. Et franchement, moi, j'aime beaucoup plus les maquillages, en fait, voilà, naturels. J'aime plus trop en faire trop, quoi. Même les faux cils, j'en mets de... Quand je sors le soir, mais des fois, j'en mets même pas. Et j'ai même envie de travailler sur... faire repousser, faire à ce que mes cils soient un peu plus longs. Parce que j'ai pas de très très longs cils. C'est trop bizarre parce qu'en fait, mes enfants, ils ont de très longs cils et des cils assez ondulés. Donc j'ai utilisé ça, la baume illuminatrice, et j'en ai mis tout juste là, ici. Regarde, j'ai fait comme ça. Et juste estompé avec mon doigt. Voilà, et là vous avez le glow naturel. Donc ça veut dire que si j'avais fait juste un BB cream comme ça, BB cream, un truc vraiment léger, un fond de teint, juste un fond de teint et juste mettre ça, ça allait faire une sorte de maquillage make-up, no make-up, mais avec un teint assez glowy. Donc voilà, donc du coup, là je suis sur le point de filmer une vidéo. J'avais fait un sondage, donc c'est... comment être plus attirante, c'est ce que je vais filmer aujourd'hui. Et je voulais aussi filmer comment rester élégante à la maison. Donc voilà, donc là, je reprends mon rythme. Voilà, donc là, je me suis dit, aujourd'hui, je vais filmer deux vidéos. Je vais être productive au max. Aujourd'hui, c'est ça mon plan. En plus, il pleut dehors. Je voulais que Lona me prenne en photo, mais il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. On doit sortir après parce que j'ai du contenu en fait à filmer pour Jo Malone. Donc je dois filmer ça avec Ilona, mais là elle est sortie, je sais pas à quelle heure on fait. Mais franchement, le... Ouh là, j'adore. Donc voilà, c'était juste pour vous mettre à jour. Je reprends après. Cette semaine, franchement, pour le moment, j'ai pas de plan de ouf. Aujourd'hui, on est mardi, je vais filmer. Hier, j'ai pas du tout vlogué. Dimanche, j'ai préparé. Non, dimanche, j'ai pas préparé. C'est hier que j'ai préparé. J'ai fait un poisson. Oh là là, le poisson au four là. Et dans l'assaisonnement là. Mouah. Trop trop bon. Franchement, ah, le poisson à la camerounaise braisé. Ah, c'est le meilleur, il n'y a rien à dire. Franchement, les assaisonnements, j'ai pris la recette sur le net. Mais quand j'étais allée au Gabon, c'était la même recette, je pense, que je mangeais. Parce que ma soeur faisait souvent du maquereau braisé. Et c'était une épice, en fait, noire. En fait, un assaisonnement noir, une marinade... Pas noire, une marinade verte. Et à chaque fois, je lui demandais, ouais, c'est quoi, c'est quoi? Elle me disait, ah, et tout, c'est un truc secret. Et après, elle m'avait donné les ingrédients, mais j'ai complètement oublié. Je faisais quoi? Je faisais juste du jansan, je vous montre ça. Donc voilà, donc c'est du jansan, je sais pas comment vous appelez ça chez vous. Donc à la base, je faisais ça, jansan, oignon, ail, sel, gingembre, ou bien sel cube magie. C'est tout ce que je faisais, avec un peu d'huile. Donc voilà, après je fais cuire et après je mettais sur mon poisson. Maintenant, je rajoute du poireau, du céleri et du basilic, c'est ce que je fais. Voilà, essayez ça, c'est trop trop bon. Mais je pense que toutes les Camerounaises connaissent cet assaisonnement-là. Si vous ne connaissez pas et que vous aimez le poisson, essayez ça. Vous laissez mariner votre poisson pendant une demi-heure et vous le mettez au four. Moi, je le mets en mode gris.
Je le laisse griller comme ça, mais je laisse légèrement mon four ouvert. Et après, je tourne. Non, c'était franchement pesant. Je mangeais ça tout à l'heure avec mes doigts. Oh, trop, trop, trop bon. Bref, donc voilà. Donc là, je vais aller filmer ma vidéo et on va essayer d'être productif aujourd'hui. Normalement, jeudi, je vais à l'hôtel. Donc, je vais en staycation avec Destiny pour travailler. Et j'ai pas d'autres programmes à la fin de la semaine. Je voulais aller voir Barbie avec elle, mais je sais pas, j'hésite encore. Donc voilà, bon, voilà. Je voulais juste vous faire un petit coucou et vous montrer un peu ma tête un peu fraîche, quoi. Voilà. Hello les filles, donc là on est vendredi. Là je m'en vais faire mes ongles. Je devais faire ça hier. Je ne sais pas ce que j'ai. Je sais pas si je me suis fait une entorse. Ma cheville me fait mal. Je vous ai dit à chaque fois il m'arrive quelque chose. Mais on va rester sur le positif. Donc je vais aller faire mes ongles là rapidement. Et ensuite je vais aller à l'hôtel. Faire mes ongles, j'ai finalement aussi fait mes pieds. Là, je vais rapidement aller faire ma course et ensuite je vais aller chez moi faire mes affaires et aller à l'hôtel. Donc, je vais juste pour un staycation avec des Destiny. Et comme je vous ai dit, ben j'ai aussi du boulot à faire là-bas. Voilà, les pieds glissent un peu. Là, là. Donc, je vous disais en fait, j'ai mal à la cheville en fait depuis 2 jours. Je sais pas d'où est-ce que c'est sorti, mais bon. Je vais m'acheter un petit truc à manger parce que là j'ai faim. C'est un matcha. Blueberry matcha. Donc c'est un matcha à la myrtille. Là je vais à Silo Square. Je fais un petit tour à Zara. Ma tenue du jour. Là les ongles sont faits. Les pieds. Les mains. Alors, premier essayage, on ne fait pas attention au soutien qui dépasse. Ok, c'est pas le soutien approprié, mais par contre, la jupe, j'adore. J'aime beaucoup la jupe. J'aime beaucoup, il y a des poches sur les côtés. En fait, c'est un ensemble, mais le haut, ça ne veut pas. En fait, c'est un ensemble. La jupe, j'adore. J'adore, et avec mes chaussures, ça fait bien. Donc la jupe, c'est un bibi. La tunique, elle est vraiment, vraiment jolie. Mais elle est très juste. Et la qualité est vraiment, vraiment bien ça. C'est du lin assez lourd. On dirait que c'est du lin au coton, mais c'est magnifique. C'est quand même 109 livres. Mais ça ne se ferme pas complètement. Ça se ferme juste un peu. La tunique est jolie, mais c'est bon. Vas-y. Puis je suis arrivée. Hey les filles, donc là c'était aujourd'hui c'était la catastrophe mon vlog. Donc je vous récapitule un peu la journée d'aujourd'hui. Voilà, je devais faire vraiment mes ongles hier, mais j'ai pas fait mes ongles hier. Je les ai fait aujourd'hui parce qu'en fait hier je me sentais pas bien. Après, je me sentais pas bien, mais en fait ma cheville c'est comme si je me suis fait une entorse. Je sais pas comment je me suis fait ça, donc ça veut dire que même quand je marche, j'ai du mal à marcher. Donc là je suis à l'hôtel comme je vous avais dit. Je suis avec Destiny. Destiny, viens dire bonjour. On ne voit pas là. Hello. Bonjour. Voilà.
Donc comme je vous ai dit, je suis venue pour créer du contenu. Donc du coup, là, on est arrivé avec Destiny un peu plus tard que prévu. On va aller juste prendre un petit goûter. J'adore leur chereuse, donc je vais aller prendre ça. Et je vais réserver pour plus tard pour manger, en fait, dîner. Mais je pense qu'on pouvait dîner directement une fois. Mais comme j'ai envie de me maquiller, donc on va aller vite fait et revenir encore après. Donc j'ai pris cette jupe-là. Cette longue jupe là qui est vraiment confortable, et j'ai mis la ceinture vintage Céline de ma mère. Voilà, donc c'est une longue jupe, vraiment c'est parfaite pour l'été, ça cache tout en plus. Donc j'ai pris cette jupe là et j'ai juste pris des autres trucs que je vous montrerai après. Faire, je vous remonte la chambre pour celles qui n'ont pas vu. Donc je suis à l'hôtel Nobu. Donc vous avez un simple lit là, comme ça. C'est une chambre premium. Voilà. J'étais en train de voir si on pouvait upgrade pour la chambre plus grande, mais il y a un bug sur le site. Là, c'est la douche. La dernière fois, je n'avais pas montré de filmer la douche avec mon portable. La douche, elle est super, super jolie. Non, la douche, elle est bien, elle est assez moderne, mais elle est quand même un peu étroite, en fait. Donc voilà, donc là, vous avez les toilettes, étagères, enfin, le lavabo qui est vraiment très, très joli, très... très chic, très luxueux. Vous avez une baignoire, donc ça fait douche et baignoire en même temps. Donc là, la douche, les jets d'eau. Voilà, là c'est moi. Et là, vous avez un long miroir quand même, ce qui est bien. Vous pouvez voir un peu ma tenue. Donc j'ai mis mes sandales Hermès avec une jupe. Ah, franchement, j'aime trop. J'aime trop la jupe. Elle est vraiment chic. Et j'ai mis en fait mon chemisier comme ça. Avec en fait, donc je me casse pas la tête. Comme ça, un genre de chemisier crop top. Ça me fait passer de l'air en bas. Et là, j'ai un petit dressing. J'ai pas encore fini de tout mettre. J'ai juste mis mes sacs ici. C'est assez spacieux par contre le dressing. Donc voilà, vous avez quand même un canapé. Donc, parce que c'est premium, une petite table. Mais je trouve que quand même c'est médiocre l'accueil que t'as. T'as même pas de carte, t'as même pas un truc de fruits, même pas une pomme, t'as juste de l'eau. Franchement, c'est naze. Donc, je vous avais montré aussi la dernière fois la théière avec une petite tasse de thé, le frigo qui est là. Moi, en tout cas, c'est toujours 5 étoiles que j'aime bien rester. Et ça diffère, en fait, les hôtels. Ça diffère les hôtels 5 étoiles. Mais franchement, le meilleur hôtel où je suis restée jusqu'à maintenant... c'est Queensgate et Londoner. Top, top, top. Je voulais aller au Bloomsbury, en fait, pour faire le contenu. Mais j'ai trouvé que les chambres, je connaissais pas trop. Parce que souvent, moi, ce que je fais quand je réserve une chambre d'hôtel, je regarde toujours la douche et le lit, en fait. Donc là, vous avez vu, c'est un lit assez moderne, vraiment très joli. Mais voilà, ça fait pas le waouh qu'on veut, en fait. Et la plus... Oh, you have snacks? Il y a but not now, ok? Je vous ai pas montré, il y a des snacks. Vas-y, ouvre. Bon, il y a des verres. Du vin. Ok, ça c'est... ça, je sais pas, Apple Android. Je pense que c'est un chargeur et ça, ça doit être sûrement des médicaments. Et en bas, c'est quoi? C'est pour faire le... Je vais descendre, je vais me maquiller parce que j'ai beaucoup de contenu à faire. Faut que je vous filme ma routine de soins, de maquillage, soins. J'ai beaucoup de trucs à faire. Donc voilà, donc on va descendre, prendre un petit truc pour se rafraîchir et revenir monter, se laver, se mettre bien, descendre, manger et revenir dans la chambre. Destiny, tiens, va mettre ça à la bonne heure. Là où j'ai mis mes chaussures. Ok, donc à tout à l'heure. Là, on est remonté, on est descendu vite fait. On a juste pris des churros, mais c'était pas la même chose que la dernière fois. Je suis un peu claquée un peu quand même, parce que j'ai quand même beaucoup bougé et mon pied me fait mal, ma cheville me fait mal. Donc tout à l'heure, c'était marrant parce que j'ai dit à Destiny pour un peu l'occuper, hein, parce qu'elle est toute excitée, elle saute de partout. Vous connaissez les enfants. De me montrer ce qu'elle va porter ce soir. Donc je vous montre ce qu'elle a choisi. C'est des habits que je viens de laver. Hein, donc c'est pour ça qu'ils sont froissés. Je me justifie parce qu'on ne sait jamais. Hein. Voilà, donc elle a choisi ça. Elle adore ce pull là parce qu'en fait c'est un crop top. Et cette jupe parce qu'elle est mine. Donc c'est une jupe un peu façon
les jupes de tennis. Mais je lui ai dit que c'est ça que j'ai choisi pour elle, avec cette paire de ballerines là. Voilà. Donc là, je vais me préparer pour... comment on appelle ça? Je vais prendre une douche, on va prendre une douche. Je vais me maquiller légèrement. Et on va s'apprêter pour sortir. Je vais vous montrer après ce que je vais porter. J'ai envie de porter l'ensemble gris en fait. Même si je ne l'ai pas retouché. J'ai une autre tenue, hein, je ne sais pas. Ou peut-être que je vais me reporter ce que j'ai porté tout à l'heure. Je ne sais pas, on verra bien. À tout à l'heure. Pourquoi je coupe la musique? Bon, je vais parler vite fait. J'ai acheté des stripes. Des wax stripes. Donc, je vais voir si c'est efficace. Parce qu'en fait, au niveau du menton, j'ai des... Ah, j'ai des poils qui poussent. Je sais pas, j'ai pris avec la pince à épiler, mais j'ai l'impression que... Ah ouais, c'est parti. Lumière. Ok les filles, donc là je me suis apprêtée, je me suis changée plusieurs fois. J'avais prévu de mettre un jean avec... Ok, donc j'avais prévu de mettre un jean avec ma veste jaune. Du coup, je fais la jupe noire, ceinture Céline vintage de ma mère. Moi je voulais mettre ces sandales là, je sais pas si vous les voyez, les sandales Amina Mouadi. Non, là ça fait pas là. Ça avec les chaussures Amina Mouadi, mais ma cheville me fait tellement mal que je peux pas. Ça c'est pas le sac plus adapté, il fallait un sac de sortie, mais j'ai pas ramené de sac de sortie. Donc voilà, normalement voici le look. Destinée, tu viens à côté? Destinée est habillée pratiquement tout en Zara, sauf les chaussures qui viennent de chez Rachel Riley. Donc elle a mis un haut jaune, un top jaune. Je vais lui mettre une robe et ça sera pour demain. Donc voilà, juste pour vous montrer ce que je porte. Elle est en train de me presser là pour qu'on descende. Donc voilà, je voulais juste vous montrer le look. Donc là je vais changer, je vais juste mettre des sandales. Donc voilà, même mon make-up maquillage est très simple. J'ai trouvé un nouveau trépied, mais il est tout droit le trépied. Mon make-up est trop simple. Et je vous parle tout à l'heure du produit Mérite. Il est trop bien le produit là. On y va, à tout à l'heure. Hello. I think it was better to eat inside. It's creaky. Well, that was creaky. Yeah, it was too loud downstairs. Yes, because of her. Yeah. It's alright. So most of the things that you chose, we don't usually do them for in-room dining. I don't know if my colleague told you. Salad. Zucchini tempura. Okay. These are for the tempura. What is this? This is shiitake mushroom. Okay, it comes with the... Yes. Okay. And this is a shiso leaf. So you have tempura sauce, sea salt, and grated ginger and daikon. You can just take a bit and with each bite. That's your warm mushroom salad. That's the salmon kushiyaki with teriyaki sauce. Okay, that's for Destiny. Maybe I'm gonna leave this one over there. Okay. That's the yellowtail jalapeno. Oh yeah, it's different because I have to do everything by myself. Yes. What do you mean everything by yourself? Because when I saw it downstairs, the sauce was already on the plate. Or they did it themselves. Well, yes, how do you serve it downstairs? No, because if it's in the restaurant, they serve it already with the sauce in. Mm. But as in the restaurant, the food comes at different times. They just take the food from the pass and they bring it straight away to the table. And this, let's say this was the first thing ready, and if I pour the sauce, the fish is gonna get soggy. You know, you get my point. Yeah. Like you pour it and it's gonna be fresh. So, and the last one, you have the rock shrimp tempura with butter ponzu, creamy jalapeno and creamy spicy. Okay? What is this? Butter ponzu. What is it? It's like soy sauce with clarified butter. Okay. You don't have any allergies, right? No. Okay, great. And here I have the churros on the bottom. Okay. But I will suggest to leave them inside to be warm, okay? And the rice is there also. No, I don't have the rice. I'll bring you the rice, okay? Okay. I forgot the rice, I'm sorry. I have to sign something? Yes, this one. Mm. And I trust... Thank you so much. Yeah, just the rice. Yeah. No problem. Destiny, on va manger là. Yeah, and I'll bring you the rice inside, okay? Okay, thank you. No problem. Ok, je vous montre ce que nous avons commandé. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc là, c'est une salade de champignons. Ce sont des courgettes, des tempura courgettes.
du saumon, en fait, des brochettes de saumon pour Destiny. Son riz vient avec. Après, je pense que ça, sont des algues. Dommage, j'ai pas assez de lumière, en fait. Donc, je vais mettre là. We have to munch in Taiwan. Vous avez des champignons, du chou-fleur, carottes et des algues. La sauce, je sais pas c'est à quoi. Là, vous avez des courgettes, la salade, yellowtail et des crevettes. Et vous avez les churros en bas. Donc là, on va manger là. Nous allons manger plutôt. Bon appétit. Mange, mange bébé, mange. Vous allez bien, j'ai une tête fatiguée. Je suis rentrée de l'hôtel et là j'étais en train d'éditer en fait le vlog de dimanche. Et je me rends compte en fait que je ne vous ai pas dit pourquoi on est monté avec Destiny en fait. On est descendu au restaurant et il y avait une longue attente, il y avait trop de monde, il y avait beaucoup de musique. Et je me suis dit c'est pas un environnement à être avec un enfant. J'ai préféré faire une commande pour qu'on puisse en fait nous servir la nourriture à l'intérieur. Mais elle voulait tellement descendre. C'est vrai, c'est les vacances et tout, mais... La nuit comme ça avec les enfants dans les restaurants. Bon, la nuit, j'exagère, il était 21h, mais bon, voilà, quoi. J'étais pas à l'aise avec elle, en fait, dans le restaurant à cette heure-ci. Donc voilà, donc là du coup ça y est, j'ai fait ma routine de soins du visage, j'ai fait ma routine de corps. Ok, donc là c'est le petit déjeuner, j'ai pris un déjeuner continental. Donc, de l'avocat, excusez-moi, des viennoiseries, ils sont vraiment radés, ils ont mis deux viennoiseries, un plateau de fruits, un plateau de fromage avec du saucisson. J'ai pris un jus de citron, ananas et concombre. Les filles, donc là, on est le lendemain. Donc j'ai pratiquement presque fini de faire tout le travail que j'avais à faire. Je me suis réveillée à 4h30 du matin. Je suis fatiguée. Là, je vais juste finaliser ce vlog-là que j'ai fait de cette semaine. J'ai pas mal de contenu. On a mangé, on a fini de manger. Il est midi. Là je vais rentrer à la maison, il faut que je... j'édite ma vidéo. J'édite ma vidéo et du coup demain je vais voir une cousine, donc demain je serai pas à la maison. Voilà, donc là je vais arrêter ce vlog et commencer un nouveau vlog. Voilà, donc là j'ai pris un t-shirt hier, donc c'est ce que je mets, j'ai mis aujourd'hui un t-shirt basique. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà, je vous l'ai déjà montré, elle est super jolie. Elle est super super jolie. Je trouve qu'elle fait super bien habillée. Et franchement, elle est trop bien. Elle est trop trop bien. Voilà, il y a Destiny aussi qui est habillée, je voulais lui prendre une photo. Donc elle a mis sa robe, c'est une robe jacadie. Voilà, j'ai mis plein de fond de teint sur le coussin. C'est une robe jacadie, elle a mis ses petites sandales. Bon, là on va... Je vais tout paquer et je vais ranger toutes les affaires en fait. Parce qu'il faut qu'on bouge.
Voilà, c'était un court séjour, sauf que j'ai pas pu en fait filmer le contenu mode que je voulais filmer. Aujourd'hui, je vais mettre j'ai mis mes boucles d'oreilles Valentino, un t-shirt Zara, une jupe Zara, et je vais mettre mes sandales Hermès. Je vais juste ajouter en fait la petite ceinture là, Céline, pour définir un peu la taille, pour donner quelque chose de plus à ma tenue. I have my baby sister. She's my queen. Non, ça va ta mamie. Ouais. Ok, donc les filles, je vous laisse. Bye. Bye.